Bien, maintenant, l'intersyndicale et le Parti communiste sont en train de faire une campagne hystérique pour empêcher la réalisation des meetings socialistes qui se font partout dans le pays. C'est une situation de peur, c'est une situation alarmiste, une position alarmiste, parce qu'ils ont peur que soit évident pour tout le peuple portugais que le Parti socialiste a un support du peuple énorme dans tout le pays. Alors ils empêchent la réalisation de ces meetings, ils se rencontrent à Lisbonne, au Porto. Nous sommes là devant une situation qui est explosive et qui est grave, qui peut mener à des affrontements. Notre parti, c'est un parti pacifique, un parti qui ne fait pas de la subversion, un parti qui est avec la révolution et qui veut sauver la révolution, mais qui n'est pas disposé à accepter les diktats d'une des totalitaires communistes.